Bonsoir, chers frères et sœurs de le Seigneur, que Dieu vous bénisse encore. 5 ans passés, si j'abordais ce message, je ne pense pas que j'aurais eu de telles réactions. Actuellement, je suis plus que sûr que le temps est venu pour parler de ces choses. Des pasteurs nous écrivent, des prophètes nous écrivent, des enfants de Dieu nous écrivent, des parents nous écrivent, des jeunes nous écrivent surtout et disent, j'ai suivi ce que vous avez dit dans telle série, dans tel film. Un ami m'en a parlé à l'internat, quelqu'un d'autre à l'université. Et j'allais dans les églises, mais je ne trouvais pas des messages qui cadraient avec notre réalité actuelle. Et lorsque vous en avez parlé, j'ai trouvé que le message concordait avec, s'ajustait avec notre réalité du 21e siècle. Ainsi, le mandat m'a été donné par Dieu. Je l'ai senti fort en moi de tenir ce qu'on appellera dorénavant l'école des mystères, où nous allons parler de tous ces sujets. Nous irons des légendes urbaines, nous irons des légendes anciennes, des mythes, de la science-fiction, de tout ce qui tourne autour des histoires anciennes, qu'elles soient africaines ou des anciennes civilisations. Mais à la lumière de la parole de Dieu, nous irons de la science à la spiritualité pour permettre aux enfants de Dieu dans un siècle comme celui-ci de ne pas être emporté par tout vent de doctrine et de croyance, mais d'être affermi dans la parole de Dieu. Alors, il est une chose de croire en une vérité. Il en est une autre de la défendre. La plupart des chrétiens croient en Jésus, mais n'ont pas les arguments solides pour défendre Jésus sur la place publique. La plupart des chrétiens croient que la réincarnation n'existe pas, mais ils n'ont pas assez de preuves pour défendre ce en quoi ils croient sur la place publique. Beaucoup de chrétiens croient que la polygamie n'est pas de Dieu. Mais très peu ont des arguments solides devant ceux qui la défendent. Ainsi, nous voulons, durant ces écoles de mystères, vous révéler le jour et la nuit, le blanc et le noir. C'est même ainsi que vous allez voir le cadre dans lequel j'enseigne, où nous sommes dans l'ombre, afin d'emmener les enfants de Dieu dans la lumière de la vérité de la parole de Dieu. N'est-ce pas le Dieu de la Bible se cache dans les ténèbres, n'est-ce pas le Dieu de la Bible se cache dans le noir? Il se cache parce qu'il y a un Dieu qui aime être révélé. Alors soyez prêts, serrez vos ceintures, parce que ce soir nous allons voyager dans l'histoire, nous irons vers les Sumériens, nous irons même dans la Bible auprès des Juifs, et nous allons profondément entrer dans les Saintes Écritures après avoir parcouru les temps et les saisons. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors ce soir, pour notre premier numéro, j'aimerais vous parler sur le thème Lilith, la reine des démons, la reine de la nuit. Je me rassure juste que vous êtes là et que vous êtes en train d'exprimer une grande générosité pour permettre à plusieurs de recevoir des réponses à leurs questions et des solutions à leurs problèmes au travers de ce direct. Alors ce direct aura lieu chaque semaine et n'ira pas au-delà d'une heure. Nous voulons être concis, être précis, être direct et enseigner, mais aussi prendre le temps de répondre à vos questions. Et nous croyons que par la grâce de Dieu, vous allez non seulement croître dans la connaissance des choses qui existent, dont vous n'étiez pas au courant, mais vous allez surtout grandir et approfondir votre connaissance de la Bible, de Dieu et de la merveilleuse personne de Jésus-Christ. Une personne qui est bien au-delà de celui qui est mort à la croix et ressuscité. Sa mort, sa vie ont été parsemés de beaucoup de mystères. Il est enseveli, il est allé au séjour des morts. Qu'est-il allé faire là-bas? Entre les mains de qui a-t-il arraché les clés de la mort et du séjour des morts? Généralement, nous disons toujours, il a vu Lucifer, Jézabel était là. Nous racontons un peu des histoires, mais des fois, nous ne savons même pas ce qui s'était vraiment passé. Pourquoi Christ a refusé qu'on le touche après sa résurrection? Pourquoi a-t-il refusé cela? Pourquoi a-t-il connu l'ascension uniquement le 40e jour? Après 40 jours, pourquoi? Pourquoi c'est après sa mort, 40 jours après, qu'il connaît l'ascension? Pourquoi, lorsque Moïse est mort, c'est 40 jours qu'on a pleuré Moïse? Pourquoi nous les Noirs, généralement, lorsque nous avons deuil, c'est après 40 jours que nous faisons le lever du deuil? Pourquoi 40 jours? Pourquoi, qu'est-ce qui se passe dans le monde spirituel avec l'âme d'une personne morte après 40 jours? Voilà les genres de questions que l'on doit se poser. Et la Bible a des réponses, mais il faut juste être illuminé, être éclairé par l'Esprit de vérité, par l'Esprit de Dieu, pour connaître ces choses en profondeur et en profondeur.
On est avec nous ce soir. Alors ce soir, nous sommes en train de parler. Ce soir, nous sommes en train de parler sur le thème Lilith, la reine des démons et la reine de la nuit. Alors, les questions à se poser sont celles-ci. Je vais d'abord commencer par deux affirmations et ensuite je vais entrer dans le vif du sujet. La première affirmation est celle-ci. Tant que l'Église ne s'alignera pas avec les enjeux de cette nouvelle décennie, il nous sera difficile d'influencer la terre et de gagner les âmes. Je répète, tant que l'Église ne sera pas alignée avec les réalités, les défis, les challenges de cette nouvelle décennie, je parlais de 2020-2030, il sera très difficile que l'Église puisse influencer non seulement la terre, mais aussi gagner les âmes. Il est important de s'aligner au temps. Cette nouvelle décennie sera une décennie, comme je n'ai pas cessé de le dire depuis le début de l'année, que nous entrons en plein dans ce qu'on appelle la quatrième révolution industrielle, mais aussi la quatrième révolution spirituelle. L'être humain connaît quatre phases. L'enfance, l'adolescence, l'âge adulte et ensuite la vieillesse. Plusieurs sciences et plusieurs connaisseurs vous diront les choses de la même manière. Autant que cela est valable pour l'être humain, autant que cela aussi est valable pour la Terre. Elle a connu une ère qu'on a appelée l'enfance, elle a connu l'adolescence, elle est maintenant en plein âge adulte et elle entre dans la phase de la vieillesse. Parce que toutes les eschatologies hindoues, islamiques, catholiques, évangéliques, même mystique. Quand je parle d'eschatologie, je parle des discours concernant la fin des temps. Toutes les croyances croient qu'il y aura la fin du monde. Les Incas, les Mayas, sans parler d'eux, vous diront la même chose. Le monde va connaître une fin. Parce que le monde est entré dans la phase de la vieillesse. Sur le plan écologique, vous allez regarder la Terre, vous allez regarder les grands enjeux que nous connaissons aujourd'hui au sujet du réchauffement climatique, le pôle Nord et le pôle Sud, après un grand passage du réchauffement climatique qui est encore là aujourd'hui, les grands glaciers éternels fondent. Le niveau des eaux monte. La Terre est en danger. Les tsunamis, les marées hausses, les tornades, les comètes qui vont tomber du ciel, les astéroïdes et toutes ces choses nous révèlent une seule chose. Consultez la NASA, j'aime beaucoup consulter les astronomes et la NASA. Notre Terre a vieilli, elle est en train de vieillir, les corps terrestres vieillissent. Nous sommes à la phase de la vieillesse. Et en cette nouvelle décennie, le monde fait des bons technologiques inimaginables. Mais aussi dans le plan spirituel, la technologie du diable va à un autre niveau. Et même ceux qui embrassent les courants de spiritualité, dommage que j'en ai même trouvé à l'église alors que j'ai commencé à parler avec certains termes, d'autres ont eu le courage de m'aborder et de me dire « Prophète, moi je crois en ceci, je crois en cela ». Je me suis dit « Mais ils ont toujours été à l'église, comment peuvent-ils croire en ces choses ?» Et j'ai juste réalisé qu'il fallait mettre le doigt quelque part afin de sortir les gens et des secrets qu'ils ont toujours gardés dans des mâles. Si l'église de Jésus ne s'adapte pas, ne s'ajuste pas dans cette nouvelle décennie, aujourd'hui, l'un des plus grands défis de cette nouvelle décennie, vous savez c'est quoi? C'est l'éducation de nos enfants. L'un des plus grands défis de cette génération, c'est l'éducation de nos enfants. Ce n'est pas forcément
le mariage, le voyage, les élections dans le monde avec Donald Trump, ou bien les élections qui vont arriver au Congo-Brazza, ou bien dans d'autres pays que nous connaissons. Mais l'un des plus grands défis de notre temps, c'est comment éduquer nos enfants dans une telle génération. Je viens de Bruxelles, si je peux essayer de restituer le fait, une jeune fille que je connais, et avec les amis de l'école, devait aller, genre soirée pyjama, week-end, chez leurs amis. Et dans cette maison, ils ne savaient pas, les enfants qui étaient là, il y avait au fait comme un club d'échangistes, ou se retrouvant entre couples, commettant des orgies sexuelles, s'échangeant des conjoints sexuellement, les parents se retrouvaient d'une maison à une autre pour se satisfaire sexuellement. Et les enfants qui étaient là devaient tout entendre, et une fille qui était là, qui est la fille d'une servante de Dieu que je connais. Je me suis posé la question, comment allons-nous élever nos enfants aujourd'hui? Et puis, nos enfants, aujourd'hui, à un certain âge, ont droit à leur iPad, à leur téléphone. Ils ont droit à leur page Facebook. Ils ont droit à leur TikTok, à leur Snapchat. Ils ont droit à leur Instagram. Ils ont même droit à leur Netflix. Et on a accès à toutes ces pages, à tous ces comptes, torrents, Netflix et d'autres plateformes de téléchargement sur Apple, même sur Play Store. Même en piratant, on peut, et même au cinéma, on tombe sur des films aujourd'hui. Trois quarts des films qui touchent les enfants a un lien avec le mystique. Tout ce que nos enfants touchent aujourd'hui à trois quarts, a un accent sur le spiritisme, la spiritualité, les démons, les vampires, le diable, l'enfer, les pouvoirs, les forces, les énergies, la magie. Les jeux vidéo, n'en parlons même pas. À part les jeux de football ou de basket, la plupart de tous les jeux vidéo, même les jeux d'aventure, ont toujours des monstres, des vampires, des sorciers, des armes, des pouvoirs. Que dire de nos films? Aujourd'hui, le box-office a explosé par cette grande plateforme que l'on appelle Marvel, DC et les autres, avec les films Avengers. Le tout dernier, a rassemblé un mélange de tout ce en quoi les gens croient aujourd'hui. La physique quantique, avec Ant-Man. La magie, la sorcellerie, avec le sorcier suprême. La manipulation de l'ADN. Chose vécue aujourd'hui. Grand projet de Google d'ailleurs. Avec Captain America. La robotique, les cyborgs. On peut même le voir avec Iron Man. C'est le mélange de l'argile et du fer. C'est l'image que Daniel avait vue. Une partie en argile, une partie en fer. Ça révèle le monde dans lequel nous allons vivre aujourd'hui, des hommes avec des robots. Que dire de tous ces autres personnages? Thanos, des êtres extraterrestres. Et cette grande diversité que l'on a vue, des gens qui croient au pouvoir de la nature, de certaines feuilles, comme avec Black Panther. Certaines feuilles, certaines plantes, lorsqu'on les utilise, révélées par une divinité panthère, ces plantes peuvent donner des pouvoirs particuliers. Et aujourd'hui, ceux qui sont dans des connaissances par rapport aux herbes, aux vertus des plantes, et même à ceux qui sont dans les domaines ésotériques, vous diront que telle pierre apporte telle chose, telle plante apporte telle chose, telle senteur peut attirer tel esprit venant d'une telle plante. Le monde dans lequel on est aujourd'hui est un monde pollué parce que le diable s'est adapté à nos enjeux et à l'essor, à l'ascension technologique aujourd'hui. Ainsi, notre génération est polluée. Nos enfants sont pollués. On se pose la question, comment allons-nous prêcher à ces jeunes gens la parole de Dieu? Faut-il juste dire, sanctifiez-vous, craignez Dieu, l'enfer existe, le ciel existe, bien au-delà. Vous devez savoir que l'évangile doit se contextualiser. Pourquoi Jésus donnait des paraboles? Jésus donnait des paraboles parce que c'était les histoires courantes de la vie de la Palestine. Lorsqu'il parlait du drachme, lorsqu'il parlait du fils prodigue,
lorsqu'il parlait des talents, lorsqu'il parlait de quoi d'autre, lorsqu'il parlait des troupeaux, lorsqu'il parlait des brebis, toutes les paraboles de Jésus étaient des images, des histoires que tout le monde pouvait connaître parce que ça faisait partie de leur quotidien. Les pasteurs d'aujourd'hui doivent apprendre aussi à prêcher en parabole et non pas en parlant des histoires de la Palestine qui n'ont rien à voir avec notre monde, rien à voir avec notre pays, mais nous devons parler des choses qui ont un lien avec le monde actuel. C'est ainsi que l'école de mystère se veut un cadre où nous irons de la science-fiction aux légendes, aux mythes, aux légendes urbaines, à toutes ces choses, afin de vous dire ce que pense la Bible, ce que dit la Bible. Un frère m'a posé la question, avant Thierry m'a dit, mais prophète, ça veut dire quoi? Des fois, vous allez voir une femme qui est enceinte et les sorciers vont faire des choses et la grossesse disparaît. Vous avez déjà entendu parler de ça? Oui. Alors, comment un être que Dieu a créé dans le ventre de quelqu'un peut disparaître? Quel est ce pouvoir qui peut faire disparaître un embryon, un fœtus dans le ventre d'une femme, même un bébé qui disparaît? Avec quel pouvoir? Frère, nous sommes à l'ère de la science-fiction. Ce n'est plus un film. Ce ne sont plus des séries, c'est la réalité. Ainsi, je retourne à ma première affirmation. Il faut absolument que l'Église, il faut absolument que les pasteurs, il faut absolument que les prophètes surtout, aient la capacité de connaître ce qui est et d'aborder l'Évangile en contextualisant le message pour effectivement répondre aux besoins du moment. Deuxième affirmation que j'aimerais faire. Écoutez-moi très bien. Il est plus que temps pour l'Église d'être composée de maîtres. Il est plus que temps pour l'Église d'être composée de maîtres. Je répète, il est plus que temps pour l'Église d'être composée de maîtres, d'être dirigée par des maîtres. Celui qui a écrit l'épître aux Hébreux a dit ceci. Je paraphrase. Vous allez voir ça dans Hébreux chapitre 6, Hébreux chapitre 7. Il parle des choses très fortes. Il parle des choses dangereuses. D'ailleurs, il parlait d'ailleurs de l'ordre de Melchisédek. Alors, il leur dit, il y a beaucoup de choses que j'aimerais vous dire, mais il dit, vous allez venir là à comprendre. Et même si j'aimerais bien vous parler de ces choses, ce sera compliqué parce que vous qui devriez déjà être les maîtres, vous allez voir ça dans Hébreux 5, 6, 7. Vous qui devriez déjà être les maîtres, vous avez besoin encore qu'on vous ramène au lait, au fondement. Et le fondement, il est décrit, vous allez le voir, de la doctrine des baptêmes, de la résurrection des morts, abandon des œuvres mortes, qu'on appelle sanctification aujourd'hui, imposition des mains, et j'en passe. Il dit, c'est ce que je peux vous dire si j'ai le temps. Et le contexte, il voulait parler de l'ordre de Melchisédek. Mais il a dit, ces gens sont, ça sera compliqué pour les expliquer ces choses. Et aujourd'hui, à l'église, lorsqu'on parle de l'ordre de Melchisédek, beaucoup de chrétiens ont dit, attention, c'est la cabale, c'est la sorcellerie. Pourquoi ça se retrouve dans la Bible? C'est simplement parce que beaucoup de chrétiens veulent encore boire du lait, rester des bébés, avoir des bavettes et ne pas avancer et ne pas évoluer. Mais je bénis le Saint-Esprit. Depuis que j'aborde ce genre de sujet, les réactions que j'ai sont tout simplement incroyables. Des hommes et des femmes m'écrivent de partout. Pour des prophètes, nous te soutenons. Une femme m'a écrit aujourd'hui, elle travaille dans une grande structure qui délivre des passeports, qui délivre des visas. Mais je tais le nom. Elle m'a dit, prophète, avec ma fille, elle m'a posé des questions sur Lilith. Je n'ai pas eu de réponse. Lilith, c'est qui? Parce que nos enfants aujourd'hui voient des séries, voient des films. Et quand on parle de démons, ils se disent, la Bible doit être la référence. Mais quand on pose la question à la mère, elle n'a pas de réponse. On pose la question au pasteur, il va vous dire, faites attention. Le plus important, c'est le ciel. Mais le ciel n'est pas encore là. Nous irons au ciel. Peut-être que c'est aujourd'hui. Peut-être après 10 ans. Peut-être après 15 ans. Et quelle réponse vous donnez à vos enfants? Vous les empêcherez d'avoir un téléphone ici? Ils utiliseront les téléphones de leurs amis à l'école, à l'université. Voilà pourquoi il est plus que temps pour que l'église soit composée des maîtres. C'est-à-dire, de ceux qui ont la maîtrise, qui maîtrisent la sainte doctrine, qui maîtrisent la Torah, qui maîtrisent l'hébreu, qui maîtrisent le grec, qui maîtrisent les textes anciens et qui sont capables de défendre la foi en Jésus-Christ sans pour autant être emportés par de nouvelles connaissances, mais en étant affermis dans la foi
dans le Fils de Dieu, qui est le chemin, la vie et la vérité. Pour terminer, avant de commencer mon message, je voulais vous dire, mon objectif n'est pas d'exprimer les connaissances pour vous donner les connaissances. Plusieurs informations que je vais donner se retrouvent sur YouTube, sur Facebook, sur plusieurs, sur Apple Store. Vous pouvez même acheter des livres. Il y en a plein. Mon but n'est pas d'être comme ceux-là qui viennent faire des vidéos pour vous raconter les histoires, des légendes. Non. Mon but à moi, c'est de vous révéler ce que dit la Bible, ce que dit les Écritures, ce qu'a dit les apôtres, ce qu'ont dit les apôtres, ce qu'a dit le Seigneur Jésus, ce qu'ont dit les Juifs avant notre ère, et même les Juifs de la première ère de l'Église. Mon but, c'est d'accompagner la parole dite à Daniel, qu'un temps viendra où ce qui est scellé ne sera plus scellé, et la connaissance augmentera. On peut décoller? Merci beaucoup à vous tous d'être là. Comme je vous ai dit, ce direct ne prendra pas plus d'une heure. Nous nous battrons pour que chaque semaine, durant une heure, ou quand il faudra faire des extras, nous allons nous en excuser ou vous avertir, parce que nous voudrons aussi prendre les questions pour répondre à vos questions. Alors ce soir, je parle sur Lilith, la reine de la nuit, la mère des démons. Certains l'appellent le spectre de la nuit. Une autre appellation de cette femme, de cette déesse, la reine de la nuit, la mère des sirènes, la mère des succubes et des incubes, des femmes et des maris de nuit, qu'on appelle communément. Merci Seigneur. Mon attention a été tirée du monde cinématographique. De plus en plus, plusieurs se créent des comptes Netflix et même suivent des séries, première saison, deuxième, troisième saison. J'ai reçu beaucoup de questions et je suis allé vérifier moi-même qui est finalement cette Lilith. Une série, de cela quelques années, a eu un grand succès, la série qu'on appelle Supernatural, qui présente au début, les premières saisons sont un peu boring, deux frères poursuivant des esprits. Et quand vous suivez toute la série, vous réalisez au fait qu'on parle de tout, de Dieu, de Lucifer, de la Bible, de l'exorcisme, des démons, de Lilith, des anges, de l'enfer, de la réincarnation, de toutes ces choses. Et nos jeunes regardent ces choses, ils se posent des questions, ils remettent même en question ce qu'a dit la Bible, en mettant maintenant plus de foi sur ce qu'ils ont vu. Au-delà de ça, il y a une autre série aux États-Unis, ça fait plusieurs années, True Blood. Un moment qui parle des vampires et qui présente la reine des vampires comme étant Lilith, cette femme indépendante, insoumise, la mère des vampires. Parce qu'il semble, je vous le dirai tout à l'heure, que Caïn a été le premier vampire, selon eux, et que c'est elle qui a même incité Caïn en ayant eu des enfants avec lui, de pouvoir tuer son frère Abel. Quelques croyances juives, des légendes. Et même plus loin, sur Netflix, cette année ou l'année dernière, ou deux, trois ans passés, des séries comme Shadows Hunter, que j'ai eu le temps de suivre, je me suis posé la question de savoir comment ces gens peuvent connaître toutes ces choses. D'où leur vient cette intelligence ? D'où leur vient cette capacité? Et je me suis dit, ce sont les instruments du diable qui sont derrière ça. La série Les Aventures de Sabrina. Je n'ai jamais connu une série plus diabolique, satanique et maléfique que celle-là. Et je vous dis, parents, chers parents, protégez vos enfants. Soyez durs envers eux au début. Ne privez pas à vos enfants la verge de la correction. Ne vous dites pas, ils se diront que je fais vieux jeu, je suis de la old school. Soyez durs avec eux au début. Privez-les même d'entendre ou de voir certaines choses. Mais dites-leur toujours la vérité. Et soyez sévères envers eux. Parce que nos enfants sont exposés à tellement de choses. Lilith ici, même dans la série Lucifer, Lilith apparaît encore quelque part, je pense à la quatrième saison. Et vous allez voir, on parle de Lilith ici, Lilith là-bas. Même dans
même dans la série The Order. Vous allez voir, on parle encore de Lilith. Alors, qui est finalement Lilith? Il y a comme un sursaut autour de cette personne. Une admiration autour de ce personnage. Plusieurs sont séduits par cela aujourd'hui, mais ne savent pas que ça dure depuis très longtemps. Même lors des premières marches féministes, lorsque les femmes se sont levées pour revendiquer leur place, plusieurs femmes se sont dit, nous allons dire non. Nous allons dire non au fait d'abuser des femmes. Nous allons prendre notre place. Nous ne sommes pas n'importe qui. Certains groupes même de ces femmes féministes, prenant l'identité, le retour à l'identité véritable de la femme, portaient des noms Lilith à cause de certaines légendes auxquelles elles avaient cru. Alors Lilith, déjà, vous devez savoir certaines choses qui sont importantes. Lilith se retrouve principalement comme étant une divinité, une démone, c'est-à-dire un démon femelle. Parce que dans la spiritualité, on croit qu'il y a des démons masculins et des démons féminins. Et plusieurs chrétiens se sont déjà posé la question, en lisant Zacharie, y a-t-il des anges femmes et des anges hommes? Plusieurs questions se posent, on en parlera une autre fois bientôt sur le sexe des anges. Et ça, vous devrez le savoir. Parce que si les anges n'ont pas de sexe, comment un ange peut venir sur la terre et connaître une femme et avoir des enfants avec elle? Un ange a-t-il un sexe ou pas? Ce sont les démons ou pas? Ce sont des mensonges ou pas? Ce sont des vérités. Et vous devrez les connaître et vous devrez les savoir. Et on parle de Lilith comme étant un démon féminin, un démon femelle, et reconnu principalement en Mésopotamie. Elle est avec des pattes d'oiseau. C'est comme ça que Lilith est représentée. Elle est représentée comme étant cette déesse, ce démon, cet esprit maléfique qui attaque les femmes enceintes. Il y a beaucoup de choses, je vais dire les principaux, qui attaque les femmes enceintes, qui tuent les enfants qui sont dans les ventres des femmes, qui détruisent les nouveau-nés, et même plus loin que ça, qui couchent avec des hommes, et même qui récupèrent la semence, le spermatozoïde des hommes qui vivent dans la masturbation. Elle est connue déjà en Mésopotamie, et même quelques temps après, par certains écrits d'un rabbin qui s'appelle Ben, c'est un rabbin connu, appelé Ben Sira. C'est au travers de ses écrits qu'on essaie d'interpréter différemment Genèse 1 et Genèse 2 et Genèse 3. Alors, qu'est-ce que ce rabbin avait dit? Il a écrit beaucoup de choses, beaucoup de récits, des commentaires autour de la Torah. Des légendes sont sorties derrière ça, qui ont influencé notre monde jusqu'en 2020. Que disaient les écrits du rabbin Ben Sira? Écoutez-moi très bien, enfant de Dieu. Le rabbin Ben Sira disait ceci. Il disait, on doit relire Genèse 1 et Genèse 2. On dirait qu'il y a un paradoxe entre Genèse 1 et Genèse 2. Genèse 1, on voit Dieu qui a créé. Je vais peut-être le lire pour vous, pour une meilleure compréhension. Genèse 1. Verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il créa l'homme à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Puis Dieu les bénit et Dieu dit. Genèse 2. Verset 7. OK. Verset 7. Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla, et vous allez continuer. Quelques versets avant, on montre combien Dieu vit qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul, parce que Dieu a vu l'homme de la solitude. Alors, cet homme dit, il y a un paradoxe, au fait. Genèse 1, verset, Genèse chapitre 1, Dieu crée l'homme et la femme. Mais pourquoi on dit que dans Genèse chapitre 2, on voit, on dirait Dieu trouver que l'homme était seul? Alors, nous, les évangéliques, nous lions cela, nous disons, Genèse 1, on montre ce qui s'est passé. Genèse 2, on explique comment ça s'était passé. Mais les écrits de cet homme mettaient un paradoxe, disaient, ce n'est pas normal, il y a quelque chose qu'on a raté. Dieu avait créé l'homme et la femme, mais pourquoi l'homme s'était retrouvé seul? Pourquoi l'homme s'était retrouvé seul? Dieu a vu qu'il était seul parce qu'il était avec quelqu'un. Alors, il dit tout simplement, il y a
deux, trois, quatre hypothèses autour de ça. Je dirais la plus courante. Il dit simplement que lorsque Dieu a créé Adam, la première femme d'Adam, elle s'appelait Lilith. Certains disent que c'était la première, d'autres disent que c'était les deux en même temps. Il a créé, Dieu avait créé Adam et il a créé la première femme qui s'appelait Lilith. Et on ne l'a pas mentionné. Automatiquement, au chapitre 2, on voit comment Dieu maintenant sort du corps d'Adam une côte, côte avec laquelle il crée cet être qu'on appelle Ève. Mais n'était pas la première. La première, c'était Lilith. Plusieurs versions se disent autour de cela, mais la plus commune, c'est de dire que c'était la première femme d'Adam et elle avait refusé, lors des actes sexuels, que l'homme soit au-dessus d'elle parce que c'était un signe de domination, parce qu'elle revendiquait le fait qu'ils étaient tous deux créés à l'image de Dieu. Ils étaient tous deux égaux et que l'homme ne pouvait pas être au-dessus d'elle à cause de ses fantasmes et de ses désirs sexuels. Finalement, discussion, il y a eu, cette femme a dû quitter, a dû revendiquer de se comparer à l'homme, d'être égale à l'homme. Elle a refusé l'autorité de l'homme. Elle a quitté cet endroit et allait se réfugier quelque part au niveau de la mer Rouge. Une mer Rouge très, très, très mystique. Parce qu'on dit même qu'aucun homme, les hommes ne sont pas allés au fond des mers. Mais le peuple d'Israël est le seul peuple qui a touché à pied sec la mer Rouge. Une mer remplie de mystères. La mer Rouge et la mer Morte. Une mer très, très dangereuse sur le plan spirituel. Et là, des anges ont été envoyés par Dieu. Et Lilith s'est alors prononcée. Elle a dit certaines choses par rapport aux enfants. Elle a dit qu'elle était la mère des démons et que 100 de ses enfants allaient mourir par jour. Et plus tard, elle est allée, elle s'est même mariée avec, elle s'est liée avec Samaël qui est parmi les 200 anges descendus selon eux dans Genèse chapitre 6. Et ils ont même eu des enfants. Et même, elle est même allée avec Caïn. Elle a des enfants avec Caïn. Et il semble même, selon eux, que le serpent qui a induit maintenant Ève en erreur et Adam en erreur, c'était Lilith. Waouh! On dit donc que c'était la première femme d'Adam. Et à cause de son nom et de l'étymologie de son nom, on a l'obscurité, on a le noir, on a la nuit dedans. Attaché aussi à Leïla, qui parle de la reine de la nuit. Ce sont des mots, des divinités un peu liées, qui parlent surtout de la nuit, qui parlent des divinités de la nuit, des forces de la nuit. Vous allez même voir, pour nous en Lingala, même dans les croyances noires, lorsqu'on parle de Lilitha, on fait mention en Lingala du cimetière, de la mort, du cercueil, du sarcophage, ou même du lieu où on enterre des morts. On fait une liaison avec la nuit, une liaison avec ce qui est obscur, ce qui est caché, ce qui est mystique. Et avec cela, toutes les civilisations se sont adaptées à leur manière, mais ont reconnu qu'il y a une femme qui fut au commencement. Et cette femme était égale à l'homme. Cette femme a un pouvoir, a des pouvoirs. Cette femme devrait être reconnue. Cette femme devrait être adorée. Les Sumériens ont cru en cette femme. Les Babyloniens. Chacun a porté un peu un nom particulier sur cette femme en parlant d'elle. Et même dans les séries que j'ai citées, dans les films que j'ai cités, vous allez voir cette femme comme étant la mère des vampires. Parce qu'on dit que Caïn était le premier des vampires, même dans Shadows Hunter, on dit que Caïn n'est jamais mort parce que Dieu avait mis une marque sur lui. Il ne pouvait pas mourir, même le déluge n'a pas pu le tuer. Il est le seul, à part la famille de Noé, qui n'a pas pu être tué. Et certains même disent, comment est-ce qu'il y a eu des géants après le déluge? Plusieurs traditions juives croient que certains, sachant que Dieu allait juger la terre par le déluge, avaient écrit des formules magiques et mystiques que leur avaient inspirées des anges déchus sur des rochers. De telle manière qu'après même, le déluge, parce que l'homme est né dans le péché, l'homme allait finir par trahir Dieu, par être rebelle à Dieu. Et par un certain concours de circonstances, l'homme allait être en face avec des rochers, allait voir des écrits,
par son souci de découvrir, allait lire des écrits mystiques et réouvrir des portes pour que ses esprits reviennent sur la terre et connaissent encore physiquement, sexuellement, je dirais, la descendance de Noé. C'est ainsi qu'en Israël, on a retrouvé les fils d'Anak, même un roi qui était là, qui était un géant, plus tard Goliath et ses frères, et même pourquoi pas dire Delilah qui a fait tomber Samson, qui était de Gaza, d'un lieu qui était réputé comme ayant des géants. Est-ce qu'on peut avancer ce soir? On est à combien là? Ok, gloire à Dieu. Soyez connectés avec nous. Nous sommes en train d'aller pas à pas. Et à cause de tout ça, on a emmené cette déesse, on a emmené cette divinité jusqu'aujourd'hui, tant sur le plan séculier, sur le plan de la spiritualité, même sur le plan des revendications féministes. Et ici, j'aimerais ouvrir une parenthèse et fermer. Enfant de Dieu, écoutez-moi très bien. La Bible est claire au sujet de la femme. Est claire au sujet de la femme. Ça peut ne pas vous plaire, mais c'est la parole de Dieu. Est-ce que je peux dire quelque chose? J'aimerais lire quelque chose pour vous. Je dois la vie à Dieu. Je dois la vie à mon père. Je dois aussi la vie surtout à ma mère. Je suis un homme né d'une femme. Je suis un homme qui a grandi, a été élevé par une femme. Je suis un homme qui a reçu Jésus, dont Jésus est apparu au milieu des femmes. J'ai reçu Jésus dans une maison d'une femme. Le ministère dans lequel j'ai été baptisé, enseigné, est le ministère d'une femme. J'aurai des enfants au travers d'une femme. En aucun cas, je ne peux dénigrer et mépriser la femme. Mais seulement, vous devez savoir que la Bible est claire au sujet de la femme. Et tout ce qui est du mouvement féministe aujourd'hui, essayant d'amener la femme à devenir un homme à cause des abus sexuels, des abus de langage, discrimination. Heureusement qu'aujourd'hui, la RDC, le Rwanda et même l'Éthiopie ont donné un grand ton ici en ayant trouvé le modèle au niveau du Singapour, surtout de voir des femmes représentées parmi les députés, les sénateurs et dans plusieurs classes de la société pour permettre à la femme étant capable d'étudier, capable de réfléchir, capable de diriger, d'avoir aussi une place à la société. Mais tous ces mouvements féministes, des fois, tirent leur source de ce pouvoir, de cette puissance qui s'appelle l'élite. J'aimerais lire pour vous ce que dit la Bible. La Bible dit ceci. L'apôtre Paul dit ceci. Ça peut vous choquer. Ça peut vous déranger. Mais c'est la parole de Dieu. Et ici, j'aimerais parler aux femmes. Parce que cet esprit qui s'appelle Lilith, cet esprit de la femme rebelle, la femme indépendante, la femme qui se croit tout permis et la femme qui finalement flirte avec le diable, flirte avec Lucifer, flirte avec l'obscurité. Je vais lire pour vous ces versets qui vont peut-être vous choquer, mais c'est la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut lire cela? J'aimerais dire cela à l'attention des femmes qui nous suivent aujourd'hui. Merci Seigneur. Come on. Est-ce qu'une femme est prête à écouter ces choses? Est-ce qu'un homme est prêt à écouter ces choses? Je vais lire la Bible, je vais lire la parole de Dieu. Et j'espère que ça va passer. Ça va passer? J'aimerais que les femmes m'écoutent avec la plus grande concentration et la plus grande attention. La Bible est claire à ce sujet. Et la Bible dit ceci. Je suis en train de trouver ce verset. Un verset puissant. Labra de sobradasa. Je vais lire pour vous. 1 Corinthiens,
Prenez vos bulles avec moi, 1 Corinthiens. Ça va un peu chauffer, mais c'est la parole de Dieu. 1 Corinthiens 11. Et ici, je frappe cet esprit qui s'appelle Lilith. 1 Corinthiens 11. Paul a été un peu sévère, mais il a dit la vérité. 1 Corinthiens 11, verset 3. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, et que l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ. Tout homme qui prie ou prophétise, la tête couverte déshonore son chef. Écoutez-moi. Verset 8. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. En effet, et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme et l'homme n'est point sans la femme, dans le Seigneur. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme et tout vient de Dieu. L'apôtre Paul finit en établissant un équilibre. Nous venons tous de Dieu. L'homme a besoin de la femme a besoin de l'homme. Mais au départ, il établit les bases. Il dit clairement, ce n'est pas l'homme qui a été créé à cause de la femme. Mais c'est la femme qui a été créée à cause de l'homme. C'est vrai que ça peut déranger les femmes, ça peut vous frustrer, ça peut vous faire du mal. Mais l'esprit de Lilith, l'esprit de la femme rebelle et indépendante, veut trop emmener la femme à vouloir s'imposer au point de prendre même la place de l'homme ou d'être égale à l'homme. Écoutez-moi très bien. Ce n'est pas l'homme qui a été créé à cause de la femme, mais c'est la femme qui a été créée à cause de l'homme. En d'autres termes, la femme existe préalablement pour l'homme. La femme existe au préalable d'abord pour l'homme. C'est vrai qu'il y a des signaux rouges qui sont en train de clignoter dans les mentalités qui dérangent, on sent l'orgueil, on sent la colère. Qu'est-ce qu'il veut encore dire? C'est la vérité. La femme a été créée pour l'homme. Et l'homme était créé pour Dieu. L'apôtre Paul développe en disant, l'un n'est rien sans l'autre. Mais c'est la femme qui était créée pour accompagner l'homme dans la tâche à laquelle Dieu l'avait assignée. Écoutez-moi très bien. Une femme peut étudier, une femme doit réfléchir, une femme doit travailler. Une femme peut être présidente, une femme peut être pasteur, une femme peut être prophétesse, une femme peut être apôtre. Moi, je le crois. Mais une femme, bien qu'en faisant ce que l'homme est capable de faire, ne doit jamais oublier que l'homme est la tête, que Christ est la tête de l'homme, et que Dieu est la tête de Christ. C'est ainsi que l'ordre divin a été établi. C'est ainsi que Dieu même exige aux femmes d'être soumises, parce que l'esprit de Lilith emmène toujours la femme à être insoumise, rebelle et indépendante. Pourquoi Dieu exige à la femme d'être soumise? C'est parce que la femme est potentiellement rebelle. Pourquoi Dieu exige à l'homme d'aimer sa femme? Marie, aimez vos femmes, parce que l'homme est potentiellement capable d'aimer plusieurs femmes. Voilà pourquoi il y a plusieurs polygames et non plusieurs polyandres. Au commencement, même dans l'histoire des Hébreux et des anciennes civilisations, les hommes étaient très aptes à avoir une Agar et une Sarah, une Rachel et une Léa. Même Laban a dit, c'est dans notre coutume ici, avant qu'on te donne la cadette, on doit te donner l'aîné. C'était les coutumes tout à fait ordinaires. Et l'homme doit se discipliner pour être concentré sur sa femme, l'aimer elle et elle seule, et être prête à mourir pour elle. Et la femme a été créée pour la gloire de l'homme. C'est ainsi que la femme doit apprendre de la soumission, être sous la mission. On n'a pas dit de monter sur la femme, abuser de la femme. Je ne parle pas de ça. Mais la femme en elle doit savoir que je m'accomplirai pas seulement parce que j'ai mon travail, j'ai ma BM, je m'arrange, j'ai mon travail. Non, une femme s'accomplit dans le plan de Dieu au-delà de son argent, de son travail,
de son voyage, ou même des enfants qu'elle peut avoir par la science aujourd'hui. Je m'en fous des hommes, je prendrai juste une semence, on mettra et je pourrai avoir des enfants. In vitro. La femme s'accomplit auprès d'un homme. La femme s'accomplit auprès de son homme. Dieu a dit à Ève, tes désirs se porteront sur ton mari. Il est important que les femmes chrétiennes le sachent. Parce que à l'extérieur, out there, Lilith, cet esprit indépendant, cet esprit, ce démon, est en train d'agir encore aujourd'hui et de pousser les femmes à être différentes dans leur ménage. Ainsi, à être indépendantes, être célibataires et emmener des problèmes dans les foyers. Les femmes sont-elles les seules à emmener des problèmes dans les foyers? Je n'ai pas du tout dit cela. Mais dans ce cadre d'espèce, je parle de cet esprit qui amène les femmes à se sentir trop libres, trop indépendantes, tant qu'elle a son argent, son travail. Tu ramènes le salaire, je ramène le mien aussi. Tu as un boulot, j'en ai aussi, tu as perdu le tien. Moi, je continue à être promu au travail. À la fin, la femme sent qu'elle n'a plus besoin d'homme, elle n'a besoin que de son argent, elle n'a besoin que du pouvoir. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Cette histoire de Lilith est une légende diabolique. Le diable a poussé cela et des esprits ont pris acte de cela pour emmener les femmes à être indépendantes aujourd'hui. Lilith se retrouve-t-elle ainsi dans la Bible? C'est la grande question à se poser. On la retrouve dans Shadows Hunter. On la voit même mettre au monde un être démoniaque. On la voit dans Lucifer. On la voit dans Sabrina. C'est pratiquement elle qui, avec Lucifer, le prince des ténèbres, font un pari que Sabrina va shifter dans le côté obscur. Se retrouve-t-elle dans la Bible? Est-ce que, prophète Joël, tu n'es pas en train de prêcher les hérésies? Lilith se retrouve dans la Bible. Et je vais vous le prouver ce soir. On peut lire ensemble la Bible dans Ésaïe chapitre 34. Ésaïe 34. Est-ce que vous y êtes? Ésaïe 34. Ésaïe 34. Ésaïe 34, prophétie, jugement sur Édom. Dans Genèse, vous allez voir, on dit Édom, c'est Ésaü. Édom, les Édomites, qui ont finalement représenté les nations, les peuples ou les systèmes qui travaillent contre Dieu. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Que Dieu soit exalté. Que Dieu soit magnifié. Prenez avec moi Ésaïe 34. Vous serez choqués de lire ce verset. Ésaïe 34. Verset 12 à 14. Ésaïe 34. 12 à 14. Ésaïe 34. 12 à 14. Ésaïe 34, 12 à 14. Bienvenue à l'école de mystère. Soyez connectés parce que maintenant nous allons plonger, monter et je vais vous suspendre quelque part. Ésaïe 34, 12 à 14. Est-ce qu'on peut lire? Il n'y aura plus de grand pour proclamer un roi. Ça sera fini de tous leurs princes. Les épines croîtront dans ses palais. Les ronces et les chardons dans ses forteresses. Ce sera la demeure des chacals, le repère des autruches. Verset 14 de Ésaïe 34. On va lire. Les animaux du désert y rencontreront les chiens sauvages. Les boucs s'y appelleront les uns les autres. Là, le spectre de la nuit aura sa demeure et trouvera son lieu de repos. Trouvera son lieu de repos. Je vais vous lire plusieurs versions de la Bible. Le maître de Sazi, 1614. Ce verset, Ésaïe 34, 14, dit ceci. Les démons, les onocentures s'y rencontreront.
Les satyres, ils jetteront des cris les uns les autres. C'est là que la sirène se retire. La Bible parle de la sirène. Les sirènes existent et la Bible en parle. C'est là que la sirène se retire. C'est là où elle trouve son repos. John Nelson Darby. Les bêtes du désert se rencontreront avec les chacals. Et le bouc sauvage, le bouc, rappelez-vous, j'en ai parlé vendredi en parlant du dieu Pan, que l'on retrouvait à Césarée de Philippe, là où Jésus avait dit que les portes de séjour des monts ne prévaudront point contre elles. C'était un homme, un être mi-homme, mi-bouc. Le bouc que l'on retrouve même dans les aventures de Sabrina, dans l'école de la sorcellerie. Parce que ça représente Lucifer, le diable. On dit, c'est là, on dit, là aussi, la Lilith se reposera et trouvera sa tranquille habitation. La Lilith se reposera. La Bible parle de Lilith. Il n'y a pas que des séries ou des films, des légendes urbaines, des légendes anciennes, des mythes. La Bible parle de Lilith. Puis second, 1877. Là, le spectre de la nuit aura sa demeure et trouvera son lieu de repos. André Chouraki. Les lynx rencontreront les chacals, le satyre, il crie contre son compagnon. Là se délasse Lilith. Elle s'est trouvée un reposoir. Lilith, dans Chouraki. La Bible tradition du Nouveau Monde, c'est surtout pour les catholiques. Les animaux du désert rencontreront les animaux hurleurs. Et les boucs sauvages s'appelleront les uns les autres. C'est là que l'anglève s'installera et trouvera un lieu de repos. Ainsi, on trouve dans la Bible, dans Ésaïe, une prophétie contre Édom, contre ces systèmes, ces nations qui sont contre Dieu. Tout système Édom, c'est Ésaïe. Ésaïe, c'est le contraire de Jacob. Jacob, c'est le système de Dieu. Édom, c'est le système du monde. Parce que Édom, Ésaïe a réussi sans Dieu. Dieu ne l'aimait pas avant sa naissance. Sa mère était contre lui. Elle a fait la marmaille pour donner plus de chance à son frère, Jacob. Son frère a usurpé son droit d'aînesse. Son père a eu son frère a eu sa bénédiction avant lui, de la part de son père. Son père le maudit, maudit les cieux et la terre. Tout ce qu'il y avait autour, son père le maudit et dit qu'il le verra le jour au-dessus de lui en errant ça et là, en errant et errant, en soi en errant. Malgré ça, sans Dieu, Édom est devenu aussi riche que Jacob. C'est le système qui réussit, qui prospère, sans le Dieu d'Israël, sans le Dieu d'Isaac, sans le Dieu d'Abraham. Édom représente donc un système mondain. Tout système qui travaille contre Dieu, contre le peuple de Dieu, contre la loi de Dieu. On parle ici d'Édom et on explique comment les animaux, quand on parle d'animaux, on parle de démons. On parle d'esprits méchants. Quand on parle des chacals, ce sont des animaux hurleurs qui ricanent pratiquement. Les chacals, les hyènes, c'est presque pareil. À part cela, on parle du lieu, des lieux désertiques. Rappelez-vous, on jette les esprits où? Dans les lieux secs, dans les lieux arides. Et là, on parle de la sirène, du spectre de la nuit. On parle de la Lilith. Lilith est dans la Bible. Parce que Lilith est un esprit que même la Bible reconnaît. Même le Dieu d'Israël reconnaît. Est-ce par rapport au fait qu'elle soit la première femme d'Adam? Je ne pense pas. Mais c'est surtout à cause du fait que les nations environnantes, les Assyriens et toutes ces nations d'alentour croyaient en cette divinité. On l'appelle la sirène, cet esprit maritime, cet esprit qui est la mère des esprits qu'on appelle les maris de nuit et les femmes de nuit. Cet esprit qui récupère les spermatozoïdes. Écoutez-moi, enfants de Dieu, et surtout vous les hommes qui me suivez. Le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui connaît chaque année un taux élevé de masturbation. Il semble même que les femmes se masturbent plus que les hommes. La pornographie est beaucoup plus consommée par les jeunes et les femmes que par les hommes. Les hommes sont connus comme étant dépravés sexuellement, mais les flèches montent de manière très très dangereuse. En mettant les indications sur les femmes. Je ne parle que des statistiques. Mais hommes, vous devez le savoir. Chaque fois que vous vous masturbez, vous êtes en liaison avec un démon. C'est dur à entendre,
c'est dur à accepter. C'est peut-être extrême, mais vous devez savoir, il y a des esprits qui travaillent avec le spermatozoïde. Il n'y a rien de plus puissant que l'ADN. Il n'y a rien de plus puissant que le sperme. Dans le spermatozoïde, il y a la vie. C'est déjà la vie que vous portez. Et chaque fois que vous laissez cela tomber à terre, vous commettez le péché d'Onan, qui fut frappé par le Dieu d'Israël à l'époque, parce que c'était un gaspillage. Prophète, qu'est-ce que tu veux dire? Je veux te dire ce que tu as entendu. Il y a des esprits qui opèrent dans la pornographie, des esprits qui exposent à la masturbation. Et lorsque vous jouissez, votre sémence est récupérée dans le monde spirituel. Et croyez-moi, ces choses sont des choses vraies, parce que l'esprit qu'on appelle Lilith continue à travailler encore jusqu'à ce jour. Au-delà même de cela, vous allez même voir dans le psaume 91, le psaume 91. Je vais lire pour vous ce verset et je m'en vais clôturer pour ce soir. Psaume 91, 91. On parle de El Elyon et de El Shaddai au premier verset. La suite dit ceci. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Les anciennes versions hébraïques disent, à la place de la Bible qui dit, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, on dit que tu ne craindras pas Lilith. Parce que c'est l'esprit qui opère de la nuit, dans la nuit. C'est l'esprit qui agit dans la nuit. Je saisis l'opportunité pour vous dire, Lilith existe. Cet esprit existe. Vrai par rapport aux légendes, je ne crois pas. Vrai par rapport à l'existence, je le crois. Que faire pour être sauvé et libéré et même protégé contre les attaques de Lilith? C'est le verset 1 du psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut qu'on appelle El Elyon, Melchisedec a béni Abraham au nom du Dieu Très-Haut, de El Elyon. J'ai des choses à dire ici. Un jour, je prêcherai sur le thème Melchisedec, le mystère homme ou Dieu. Melchisedec, le mystère homme ou Dieu. Melchisedec a béni Abraham, lui qui n'avait ni père, ni mère, ni origine, mais sacrificateur du Dieu très haut, et même roi à Salem, Yerushalem, Yerushalom, Jérusalem. On dit, oh Rabba Sabra de Saka. Celui qui demeure sous l'abri du très haut repose à l'ombre de El Shaddai. Écoutez-moi très bien. Celui qui est sous, my God. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, il est protégé de la terreur de la nuit, du spectre de la nuit, de la sirène des eaux, de la reine sirène. Il est à l'abri du Très-Haut. Il est protégé contre toute puissance qui opère la nuit, des femmes, des maris de nuit, des esprits qui attaquent les enfants lors de la grossesse. Des esprits qui provoquent des fausses couches, qui tuent les enfants nés. Parce que c'est cet esprit qui attaque ce domaine, qui attaque les mariages, qui provoque des divorces. Il est écrit, l'antidote, c'est de demeurer sous l'abri du Très-Haut. Lilith arrive quelque part, mais n'arrive pas là où Dieu arrive, parce que Dieu est au-delà des cieux des cieux. Il est au-delà du deuxième ciel et au-delà même du troisième ciel. Dieu habite une lumière inaccessible et dans la lumière, il y a les ténèbres. Parce que Dieu se cache dans les ténèbres, dit la Bible, dans les psaumes. Et on dit, il repose à l'ombre de El Shaddai. Il existe quatre mots qui parlent de la puissance en grec. Numéro un, c'est le mot dynamis. Numéro deux, c'est le mot kratos. Numéro trois, c'est le mot Iscus. Numéro 4, c'est le mot épikaïzo. Épikaïzo, même en grec, c'est la plus grande, la plus élevée de toutes les puissances. C'est la puissance de Dieu à un niveau
C'est le summum, c'est l'optimum de la puissance de Dieu, qu'on appelle Epikaizo. Et selon qu'on parle d'Epikaizo, on parle de l'ombre du Très-Haut, on parle de l'ombre du Tout-Puissant. Come on! Comment le Fils de Dieu allait entrer dans le ventre d'une femme sans le contact avec un homme? Le plus grand miracle de tous les temps. L'incarnation, le mystère de la piété. Comment cela s'est-il passé? Dieu n'a pas libéré Dynamis. Dynamis s'était libéré dans Actes 1, verset 8. Quand il devait aller être témoin. Dieu n'a pas libéré Kratos. Tout pouvoir m'a été donné. Dieu a libéré Epikaizo, c'est-à-dire l'ombre du Tout-Puissant. The shadow of the Almighty. J'aimerais dire à l'église, il existe une puissance. La puissance de El Shaddai. La puissance du Très-Haut. Cette puissance, oh Machabradassa. Cette puissance est capable de te protéger, de te garder, de protéger ta semence. Et tout homme qui a des problèmes de stérilité, je vois la puissance de El Shaddai toucher ses spermatozoïdes, donner de la vie. Tout homme qui souffre d'impuissance sexuelle, toute femme qui souffre de fragilité, et vous avez des problèmes dans votre couple à cause de cela, je vois El Shaddai, je vois l'ombre du Tout-Puissant créer un miracle sur le lit conjugal au nom de Jésus-Christ. En même temps, je vois les enfants dans les ventres être protégés sous l'ombre de El Shaddai, sous les picailles de El Shaddai. Oh my God! Il y a une dimension de miracle que Pierre avait atteint. Il ne touchait plus les malades. On devait mettre des liens sur le corps de Paul. Mais Pierre n'avait même pas besoin de toucher dans Actes 4, Actes 5. Vous allez voir, Pierre seulement marchait. Et son ombre qui couvrait les malades. Aïe, 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 aïe. Ce n'était pas l'ombre de Pierre, mais c'était l'ombre du Tout-Puissant. C'était les picaïsos de Dieu. Peu importe ces légendes et ces esprits et ces démons et ces puissances de l'enfer, de la mer, des eaux ou des cieux. Écoutez-moi, il existe un Dieu. El Elyon et El Shaddai. Le Dieu Tout-Puissant qui peut protéger ton mariage, protéger tes enfants. Ainsi, nous maudissons les fausses couches. Nous maudissons toutes ces formes. Je décrète et déclare pour toutes les femmes enceintes, comme l'esprit de la prophétie m'a parlé, ça fait 2 semaines, de prier pour les femmes enceintes. Ces femmes qui sont attaquées par Lilith. Et même si tu es enceinte spirituellement, un projet, un ministère, une nation, quelque chose que tu veux libérer, mais que Lilith est en train d'attaquer. On a combien ce soir? Mais que Lilith est en train d'attaquer. Je décrète et déclare que El Shaddai te couvre. Les picailles de El Shaddai te protègent. Garde ta maison. Garde ton sommeil. À partir de cette nuit, tu ne verras ni femme de nuit, ni mari de nuit. Ces femmes de nuit qui deviennent des hommes. Après, ça devient une femme. Après, c'est ton père. Ça devient comme ton frère. Après, comme ton ami de l'université. Ou bien, ça devient un homme. Après, un animal. À partir de ce soir, cette Lilith au milieu des chacals, des boucs et des animaux sauvages, lâche ta maison, lâche ton sommeil, lâche ta nuit et te protège parce que tu es sous l'ombre de El Shaddai. Dans l'église Porte des Cieux ou dans mon ministère, nous croyons en El Shaddai qui s'appelle le Dieu Tout-Puissant. Tu ne craindras donc pas le spectre de la nuit, la terreur de la nuit. Tu ne craindras donc pas Lilith. N'aie peur de rien, parce qu'il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Lilith est une réalité. La Bible en parle. Les légendes, il y en a des centaines. Impossible d'y prêter totalement confiance. Les Écritures sont la réponse. Lilith existe, mais surtout El Shaddai, El Elyon existe aussi. Il a établi des lois dans la pureté, des lois dans la sainteté, des lois dans un mariage pur et stable. C'est là où Dieu veut t'emmener si tu n'es pas marié. Mais si tu es déjà marié, ces esprits qui attaquent des faiblesses sexuelles, mari, femme de nuit, l'homme va voir un médecin, on dit ton spermatozoïde a un problème. Je viens comme messager de El Elyon, décréter et déclarer sur toi. Un miracle va t'arriver. Tu iras avec ta femme. Elle va concevoir des jumeaux. Elle va concevoir des jumelles. Et le Dieu d'Israël protégera tes enfants, protégera ta semence, protégera et toute femme qui doit porter la semence de l'homme. Tu es toujours attaqué. Des fois, tu sens comme un serpent qui va de gauche à droite de ton ventre. Ton ventre est combattu. Je décrète et déclare sur toi. À partir de ce soir, ton ventre est protégé. Ta matrice est protégée. Ainsi, les myomes disparaissent, les kystes disparaissent, les problèmes des trompes bouchées disparaissent,
Parce que El Elyon et El Shaddai te guérissent ce soir. Ils te guérissent ce soir au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis et la paix dans vos maisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous bénisse abondamment. C'était la première soirée, le premier numéro de notre école des mystères. Je crois que vous avez été bénis ce soir. Vous avez des questions, l'adresse email est en train d'être placée maintenant sur le statut de ce live. Écrivez-nous, posez vos questions. J'aurai l'opportunité de répondre à vos questions lors du prochain direct. Alors aujourd'hui, nous avons eu notre premier numéro. C'était pour moi un numéro test. C'était pour moi un numéro test pour voir si l'attention du peuple était vraiment là et si vous étiez vraiment prêts à écouter et entendre ces choses. Nous irons de sujet en sujet. Des fois même, proposez-moi les thèmes. Envoyez-moi les thèmes. Posez-moi les questions. Dites, prophète, nous aimerions que vous puissiez enseigner sur l'enfer, sur le ciel, sur les anges, sur les sirènes, n'importe quel sujet. Nous irons dans ça. Si c'est un sujet qui va répondre à un besoin présent, nous le ferons. Et nous vous ramènerons à Jésus parce que c'est lui et lui seul le chemin, la vie et la vérité. Vous avez suivi, mais vous n'avez jamais reçu Jésus dans votre vie. C'est l'opportunité d'être sauvé maintenant. Vous n'êtes pas chrétien, vous n'êtes pas chrétienne. Vous avez voulu écouter ce que le prophète avait à dire. Et vous avez compris qu'à la fin, vous êtes exposé à des puissances que vous ne pouvez même pas contrôler, malgré vos connaissances ésotériques et mystiques. C'est l'opportunité de recevoir Jésus-Christ qui est au-delà de toute magie, au-delà de toute sorcellerie, lui qui est le Dieu d'Israël et la vie éternelle. Répétez cette prière après moi. Dites, Seigneur Jésus, je viens devant toi car je suis un pécheur. Je conduis ma vie par ma propre volonté. Je sers le diable d'une manière ou d'une autre. Je vis selon la chair et l'enfer est prévu pour moi. Mais ce soir, je viens car je reconnais que tu es le Seigneur et le Sauveur qui est mort à la croix pour moi afin que je ne périsse pas, mais que j'aie la vie éternelle car tu es la manifestation de l'amour de Dieu pour moi. Je confesse devant les hommes, devant les anges, devant le diable, devant les forces des ténèbres, que Jésus est mon Seigneur et mon Sauveur. Et qu'en lui, j'ai la vie éternelle. Mes péchés sont pardonnés, mes iniquités sont effacées. Je suis un enfant de Dieu et je suis sauvé. Au nom de Jésus-Christ, amen. On acclame très fort pour le Seigneur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Vous avez pris la meilleure décision de votre vie. Écrivez-nous par adresse email. Envoyez, jetez vos talismans, jetez vos amulettes, jetez les livres, brûlez-les. Écrivez-nous, nous verrons comment vous accompagner. Jésus est le seul chemin, la vie et la vérité. Aucune spiritualité n'est plus élevée que de connaître Christ et de le servir. C'était pour vous le prophète Joël Francis Tatou dans ce premier numéro de l'école des mystères. Soyez très connectés à la prochaine fois. Nous vous donnerons déjà l'affiche et le thème de la prochaine vidéo. Sinon, en attendant le prochain numéro, portez-vous bien et envoyez-nous les thèmes que vous voudriez voir être développés, les questions que vous avez. Je vais prendre le temps de répondre aux questions avant d'entamer le prochain thème. Sinon, portez-vous bien chez vous. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.